Yakshé, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview pour l'alternative.fr. Je suis très contente de vous interviewer ce soir. Et alors, comment vous est venue l'idée du groupe Yakshé? C'est quoi l'idée de ce groupe? Alors, l'idée de Yakshé, c'est de véhiculer de la matière musicale sous des formes que d'autres n'ont pas encore vraiment inspecté, et une matière spontanée surtout. Mm-hmm. Bien sûr, Yakshé sur scène, c'est de la musique qui est quand même préparée, travaillée, réfléchie, élaborée, mais qui garde toujours une part pour le moment présent et l'improvisation. Mm-hmm. Et de ce fait, l'inspiration est importante. Mm-hmm. Et voilà, c'est ça, c'est véhiculer quand même quelque chose qui vient vraiment de l'intérieur, ce qu'on aime faire, et quelque chose qui est relativement modèle unique. On préfère véhiculer ce qu'on a à l'intérieur plutôt que être plutôt reconnu pour qui nous sommes que connu. D'accord. Pourquoi c'était important pour vous d'amener cette spontanéité dans votre musique ? Je pense que le monde a besoin de vrai. Uh-huh. Et on n'est jamais assez vrai, je trouve. Et quoi de mieux dans une chose qu'on aime profondément faire, de montrer justement nos failles, notre humanité pure. Uh-huh. Et le transmettre ensuite aux autres, ouais, pour faire du bien et faire du bien aux autres. Est-ce que pour vous c'était une manière d'amener ça un peu dans le monde? Est-ce que ça manque pour vous dans le monde? Est-ce que c'est, s'il y avait un message que Yakshé porte, ce serait quoi? Ou plusieurs messages? Je pense qu'on ne peut pas se mettre juge de savoir de ce qui manque ou de ce qui ne manque pas. Uh-huh. Oui. Mais par contre, la chose qui est sûre, c'est que ce qui est juste, c'est de véhiculer qui nous sommes, comme le disait Lily tout à l'heure. Uh-huh. Et l'importance première, je pense vraiment qu'elle est là. Uh-huh. Je pense que tu peux ajouter également, c'est pas un complément à ce que je dis. Ok, donc il y a une résonance avec... Être pleinement, c'est ça? Bien sûr, faire ce que nous sommes. D'accord. Pas juste le spontané qu'on a à présenter. Ah, c'est super. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de justement ce nom que vous avez donné à votre album Atome? Okay. Et là, ce triple jeu de mots et cette volonté peut-être de le faire? Parce que c'est pas commun, quoi. Oui, c'est pas commun. Oui. Bah disons que déjà, si on choisissait le « at home » qui veut dire « à la maison », uh-huh, celui-ci voudrait dire que quelque part, nous sommes tous à la maison. Uh-huh. Être à la maison, c'est quelque chose en théorie qui est assez fort. Être à la maison, uh-huh, c'est notre endroit où on est censé être protégé, c'est l'endroit où on est censé être bien à la maison, uh-huh, dans l'intimité, etc. Et en fait, si on veut élargir le « à la maison », on se retrouve sur Terre, mmh, puisque c'est notre maison. Ouais. Et le message est, aussi quelque part, faites attention à ce qu'il y a à la maison. Mmh, à la Terre. Et mmh, sentez-vous comme à la maison. Mmh. Et après, pour la suite des choses... Et le home, mmh, du coup, le son universel, mmh, le son qui relie le monde. Mmh. Et donc, ce serait un peu comme si on voulait relier le monde à la maison. Ah, super. Par exemple. Okay. À chaque fois qu'on se produit, c'est comme à la maison, et on relie le monde comme à la maison. Je suis d'accord. On essaye de rester connectés déjà en nous-mêmes, mm-hmm, ensuite nous deux, voilà, et mm-hmm, aussi au travers de ce qu'on produit à deux, avec le reste de l'auditoire. Ouais.
Et quand l'atome tu... qu'on n'a pas besoin de décrire. Oui. Qui est fonction de chaque l'atome, chose dans l'univers. L'atome qui danse, l'atome qui chante. L'électron libre. Oui. Que vous êtes aussi, un petit quelque peu. Part. Et du coup, quand on vous dites, voilà, il faut peut-être faire attention à la maison, donc à la terre, parce que quand on regarde vos clips, on voit beaucoup que c'est très inspiré dans la nature. Il y a vraiment un lien fort avec ça. Ça a toujours été comme ça. C'est quelque chose que vous portez en vous. Vous pouvez m'en parler de ça un petit peu, de cet élément terre qu'on retrouve dans beaucoup de vos clips. De toute façon, je pense que oui, la réponse est très simple, c'est que cet élémentaire, on l'avait en nous avant même de se connaître, et ça fait peut-être certainement partie de notre alchimie. Élémentaire, Cyril. Ok. Oui, et les arbres sont une source d'inspiration. Ils sont un peu... ils sont comme nous, ils sont reliés entre ciel et terre. Et ils sont des maîtres. Pour sûr. Ouais. Et d'adaptation aussi. Ouais, maître de sagesse. Et parce que c'est intéressant ce que vous dites sur le fait d'être relié, parce que quand on écoute votre musique, on sent en fait cette reliance entre vous, on sent le lien qu'il y a. Vous vous êtes accordé tout de suite, ça a été comment ça entre eux, parce que... Ça a été très vite. Ouais. Ça a été extrêmement. Disons que donc voilà, on s'est rencontrés, ensuite donc voilà, on a parlé de ce qu'on aimerait faire en commun, etc. On s'est rencontrés en faisant des choses différentes. Et complètement rien à voir avec Yakshé. Rien à voir, voilà. Aurélie est arrivée faire du jazz, moi je suis arrivé pour faire du rock. Et ça, c'était rigolo. Mais on a quand même du coup discuté sur ce qu'on faisait à côté de tout ça et ce qu'on aimerait développer. Et il se trouvait qu'on voulait développer la même chose. Donc on s'est dit on va essayer et t'as parlé de didgeridoo, de qu'est-ce que c'est que ça, je savais pas ce que c'était. Je découvrais les instruments improbables dont ils jouaient. Et l'alchimie s'est faite. Et du coup, voilà, ouais, on a passé une journée ensemble, on s'est dit bon, on se prend une journée et puis on essaye, on voit, on ressent, on fait. Et du coup, cette première journée nous a amené à déjà 4 morceaux qu'on aurait pu déjà boucler, quoi. C'était des évidences. Donc du coup, on a été très vite à faire le premier album, on s'est dit on y va. On avait tous les éléments qui nous disaient on y va. Voilà, dans un esprit spontané. De lâcher prise. En plus on avait besoin de lâcher. C'est clair. En fait, quand on s'est découvert au niveau musical et amitié, je pense qu'on était exactement celui et celle qu'il nous fallait à ce moment-là pour remplir ce contrat, en fait, qui était l'amitié et la musique. On avait tous les deux, je pense, besoin de cette chose. Et du coup, voilà. Donc du coup, oui, quelque chose peut ressembler à une évidence dans l'idée. C'était vraiment magique. Oui, mais ça se sent. Ça se sent quand on vous écoute. Ok, et du coup, ensuite, vous avez développé des... Vous m'arrêtez si je me trompe, mais des projets solo. Tu viens de sortir un album, Cyril, et toi aussi, Lily, Heart, il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est une continuité? Est-ce que c'était quoi le besoin de faire un album solo C'était un besoin d'accomplissement pour chacun, je pense. Moi, j'ai été très longtemps à dire à Lily, faut que tu fasses un truc. Alors, elle me disait, pourquoi Voilà. Et je pense qu'on ne doit pas se... On fait Yakshé. Yakshé, c'est merveilleux. Moi, je souhaite encore faire Yakshé encore très longtemps. J'espère bien. Mais par contre, il se trouve que si, par exemple, il arrive une grosse pluie à Cyril demain, il faut que Lily elle ait une matière, parce que Lily, elle mérite d'avoir la matière. Et on ne sait pas ce qui peut arriver. Et je pense qu'une petite part de soi qui s'accomplit personnellement dans un coin tranquillement, pendant que les choses de groupe se véhiculent, ce sont des bons compléments. En tout cas, voilà, ça c'est ma façon de penser. Maintenant, Lily peut exprimer aussi la sienne. Pour moi, c'était vraiment un besoin viscéral d'aborder le chant de manière plus poussée.
avec tout plein d'idées dans la tête de composition. J'en avais vraiment besoin, c'était vraiment comme une thérapie de faire ça pour moi. Même si au sein de Yakché, je m'exprime amplement. Mais il y avait quelque part cette envie d'aller plus loin au niveau vocal. D'accord. Ok. Ça a été, c'est vrai aussi un petit peu pareil pour l'album solo. C'était, ça a été aussi un truc test et c'est vrai que là-dedans, j'y ai mis peut-être un petit peu plus d'émotions personnelles que dans Yakché. Dans Yakché, c'est une émotion partagée. On peut aussi véhiculer nos émotions personnelles au travers de certaines choses et nos émotions communes dans un truc. Au contraire, ça n'a fait que nourrir en fait. Complètement. Ça vraiment, même je dirais que nos éléments solos respectifs nourrissent complètement Yakché. Par le fait de s'épanouir et d'écouter en fait cette envie d'aller c'est plus loin. C'est ça. Le fait parce qu'après cette envie de ce dépassement de soi pour une certaine chose est forcément bénéfique dans le duo, bien évidemment, puisque chacun on apporte le résultat. Okay. On retrouve aussi beaucoup d'éléments, enfin en tout cas dans le clip ou les quelques clips que j'ai vus de ton nouvel album, Cyril, on retrouve beaucoup d'éléments de la nature. Donc c'est vraiment quelque chose que tu portes en fait aussi au-delà de Yakché. Ah oui, complètement. Okay. Complètement. Depuis l'âge de 7 ans, je ne peux pas m'empêcher d'aller dehors. Je fuguais pour aller dehors. c'était terrible. Besoin d'aller dehors. Ma maman me cherchait partout. Parfois j'étais juste dehors. Okay. Et toi Lily, il y a vraiment quelque chose qui interpelle quand on entend ton chant, parce que il y a quelque chose qui est spontané et qui en même temps est très il y a des fois pas de on a l'impression des fois qu'il y a pas vraiment de parole, que c'est vraiment l'être qui parle en fait quand on t'écoute. Et on retrouve ça, je trouve, dans Heurte aussi. Est-ce que c'est pas ton petit diamant, ça, cette petite chose que tu apportes, parce que c'est très particulier. Alors oui, effectivement, pour répondre à ta première question, j'ai parfois pas de parole du tout. C'est des syllabes qui me viennent. C'est un peu comme le scat dans le jazz en fait. C'est un peu ça, on se fabrique un langage. Le mien, mais simplement propre. Et à force d'inspiration du côté de l'Asie, c'est plus du côté d'Asie. Autre chose en fait, j'avoue. Peut-être un peu des accents de l'Est en tout cas. Bon, voilà, on va rester dans l'Est. Ma voix elle est plutôt empreinte des couleurs de l'Est. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'appelle. Et cette manière de chanter de façon des fois sans parole, c'est quelque chose qui t'est venu comme ça, c'est quelque chose que tu as. Comment c'est venu en fait? Ça va de pair avec le chant spontané. Du coup, les phrases vont l'être aussi. Est-ce que c'est notre quelle langue en fait? Sa maladie s'est empirée avec Yakché. pour mon plaisir. L'important est le son, je dirais. Dans les mots, peu importe de quelle planètes ils viennent, les mots sont de la musique aussi. Bien sûr. Après, il y a peut-être un message, j'en sais rien. Tant mieux. J'ai pas traduit. Je sais pas, mais c'est beau en tout cas. Voilà, c'est vraiment, ça vient du cœur. Quand je chante, j'ai vraiment ça en tête. J'ai envie d'offrir ce que j'ai le plus fort en moi. J'ai envie de vous offrir de l'amour à travers mon chant, de donner mon mieux, mon meilleur. C'est exactement ce que j'en pense, c'est que justement par ce qu'amène Lily aussi dans Yakché, comme ça c'est très beau. Et justement c'est amener l'humain à ce que ça lui suffise, ne pas toujours obligé de tout comprendre. Des fois juste c'est beau,
ça suffit. Ouais. De juste contempler quelque chose, écouter quelque chose, on ne comprend rien, mais est-ce important? Est-ce important? Je vais dire parfois, seul le résultat compte. Et juste, on peut se suffire par moment. Et ne pas dire c'est beau, mais non, c'est beau. Et déjà, ça va. Ouais, et déjà ça peut être suffisant. Revenir à nos notions de suffisance. On comprend pas ce qu'elle dit, mais est-ce utile? Et du coup, mais par contre, les émotions sont ressenties. Ah oui, ça. donc ça passe quand même, même si voilà les syllabes musicales de Lily. Elles peuvent s'entremêler et même si elles ne veulent pas dire quelque chose dans notre langage physique à nous, en tout cas, je pense que c'est même peut-être encore un meilleur moyen comme véhicule émotionnel. Puisque justement, on ne va pas associer un mot à quelque chose, on ne va pas lui donner un comparatif, on ne va pas pouvoir le mettre dans une situation et du coup le relater à qui nous sommes. Il n'y a plus rien de tout ça, il y a juste... juste l'instant. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ça dans Yakshé aussi, de la part de Lily. Au-delà de l'oiseau au bec musical, comme je l'appelle toujours. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi un atout pour Yakshé que d'avoir ce langage musical. Et alors, je vais quand même vous poser une petite question qui me taraude moi, personnellement. Parce que, en fait, quand on voit votre pochette d'album pour Yakshé, donc on voit l'arbre beaucoup, donc on voit la connexion au ciel et à la terre, on voit le home aussi. Et alors, et puis quand on vous écoute tous les deux dans cette synergie, moi personnellement, après c'est sûr que ça m'est personnel, mais personnellement, moi je trouve que vous touchez l'âme des personnes quand on vous écoute. Donc avec tous ces éléments, est-ce que il y a une volonté de mêler la terre et le ciel ou quelque chose d'un peu spirituel à travers ces éléments, ou est-ce que vous le cherchez pas, ou est-ce que ça fait partie de vous, comment c'est? C'est bien plus simple, tu peux enlever tout ce que tu as dit en fait, c'est comme ça. Ouais. On n'a pas, non, on ne cherche pas, on n'est pas là. On se fait plaisir. Ouais, on n'est pas là en train de se dire, alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait créer là pour que ce soit émotionnel, on est tous les deux, on s'envoie la purée en impro, on joue et d'un seul coup, paf, on se dit, oh ça on garde, parce que c'était puissant et du coup, voilà. Souvent, on s'en souvient pas de ces moments-là, et ça en fait naître d'autres ensuite. Voilà, c'est ça la magie. Voilà. Après, il y a quelque chose qu'on cherche aussi, à retenir, et du coup, ça en devient des morceaux. Et il y a des choses qu'on a envie aussi de laisser dans l'instantané, qui ne deviendront pas, qui sont éphémères, qui sont là et qui passent. Parce que c'est juste sur l'instant. Donc non, nous ne sommes que du spontané, et on ne cherche pas à ce que ce soit comme ça. On donne le meilleur de nous-mêmes. Voilà, on cherche le vrai. Ça se voit. D'accord. Pour conclure cette interview, est-ce que tous les deux vous avez un petit mot, peut-être, je sais pas, soit parler de votre dernier album, soit un petit mot de votre choix, comme vous voulez. Un seul. Non. J'ai le temps, moi. Moi, je peux en fait. Je pense que je peux. En un seul mot, j'ai envie de dire déjà paix. Voilà, je souhaite la paix, une paix, une espèce de paix universelle, cette paix qui contient tout le reste en fait, qui contient l'amour en priorité, qui contient le sentiment, qui contient le bien-être. Pour moi, s'il y a un mot, j'aimerais conclure avec la paix pour tout le monde, une vraie paix. Et ton petit mot de la fin? Et toi? Et pour qu'il y ait cette paix, justement, j'aimerais bien inviter les gens, je ne sais pas si à travers notre musique, on arrive un petit peu à effleurer cette idée-là. J'espère. À inviter les gens à aller au bout de leurs rêves.